On ne présente plus ce talent en or massif et en or Pas-de-Calais. C'est un fieffé flamand attaché à son territoire comme sa barbe à son menton. Lui qui embrasse toute sa région, de Lille à Blaringhem, en passant par Busquets, Béthune, Dunkerque et jusqu'à Bruxelles et le Mont Noir. Ses adresses fleurent bon la consonance des Flandres. Bloempot, Anosklok, Bierbeuk, son estaminet moderne qui a essaimé dans la région. Et vous allez voir que le garçon a tous les talents du restaurateur, parce qu'en plus de tenir une table innovante à l'auberge du Vermont, où le produit est porté au nu, il repense de fond en comble le restaurant comme espace de travail et invente une forme de développement réciproque avec ses producteurs. Alors il faut dire que l'histoire d'amour est longue entre Omnivore et lui. Il avait été couronné par le prix Créateur Omnivore en 2017. Bref, dans radicalité, il y a radical et qualité, et ça lui va comme un gant. Mesdames et messieurs, Florent Ladène. Monseigneur, messeigneurs, comment ça va ? Ça va et toi ? Bien, bon évidemment t'es venu accompagner, t'es venu avec la famille, si la famille. C'est ça. On va faire un gros big up à ce monsieur. Bonjour. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, ils sont peu nombreux, hein, parce que t'es la Taylor Swift de la gastronomie française. Comment tu t'appelles ? Clément. Salut Clément ! Et tu es donc le ? Le cousin de Florent. Le cousin, t'es venu avec ton zincou, ça fait plaisir. C'est le cousin, mais c'est surtout le chef de tous aussi, les restaurants. Dans chacun des restaurants, j'ai la chance d'avoir beaucoup de chefs, très talentueux. Ouais, absolument. Et Clément est le chef des chefs. Ouais. Alors nous, c'est vrai qu'on s'est vus très souvent sur cette scène Omnivore. On a fait toutes sortes de scènes. Mm-hmm. Des scènes où tu n'as pas cuisiné, parce que tu étais fatigué. Des scènes où tu as beaucoup cuisiné. Parce que je vous ai sorti de la merde parce que vous aviez plus d'emplacement, parce que le temps était mauvais. Ouais, t'as raison. Bouger ouais, le camion. La ouais, vérité est là. C'était ça. Pardon. Non, mais c'est vrai. Ah. T'as raison. T'as fait des scènes où t'as cuisiné grave. T'as même fait une battle au Touquet la dernière fois. C'est vrai. Je voulais en faire une aussi aujourd'hui. Tu devais en faire une ici, mais finalement, ça ne pourra pas avoir lieu. Bref, on s'aime. On se connaît par cœur. On a tout fait ensemble. Mm-hmm. On a fait toutes les positions culinaires possibles. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va axer un petit peu notre terroir sur le côté. Littoral, sur le côté marin, parce que tout le monde connaît l'auberge du Vermont, tout le monde connaît la Flandre maintenant, et c'est très bien. On a toujours été très enracinés sur notre mont, sur nos monts, et aujourd'hui on va vous faire voyager un petit peu, donc pas très très loin, hein. On est à 40 km de la côte, et la Flandre c'est aussi une côte. Bien sûr. On a sur le Nord-Pas-de-Calais quelque chose comme 200 km de côte, ce qui est énorme. On a un réel terroir là-bas, avec des gens qui travaillent très bien, et on va essayer de mettre ça en avant, parce que ça fait partie de notre nouveau projet. Clément est le chef des chefs, mais c'est aussi mon associé sur tous les établissements. Donc tu as encore un nouveau projet. On a encore un nouveau projet. Ouais. Après, on arrête. C'est lui, à chaque fois, il fait « Ouais, vas-y, Flo, on fait un truc, On verra, on verra si on arrête. Ouais. Toujours sur l'île ? Sur l'île, on va ouvrir un restaurant. Ouais. Un petit comptoir de la mer, tout en inox. Ah, cool. Oui. Trop qui bien. Va s'appeler Crevette. Ça Crevette. Ouvre en novembre et ça va barder. Cool. Bah, c'est une annonce en exclu pour Omnivore, je crois. C'est ça. Bon, au Chambé, on sera là, évidemment, comme à chaque fois. Donc, on va passer du terroir des Flandres au miroir des Flandres, si j'ose dire. Joli. Voilà. On va cuisiner donc des produits de la mer. C'est ça. Ouais. C'est ça. On a reçu ce matin du poisson. Ouais. Un très beau butt, nous on appelle ça un butt, vous appelez ça un carlet. D'accord. Voilà. Wow. Oui, avec ces petites taches oranges caractéristiques. En danois, ça s'appelle rullespil, les points rouges. C'est les orange. Rouges. D'accord. Et en gros, on n'a pas beaucoup de produits de la mer, parce que ce sera notre quotidien là-bas. Ouais. On va avoir un, deux poissons par jour, des coquillages. Donc on a du carlet, on a des coques. Hop. Mmh. Des palourdes, des bigorneaux, beaucoup de condiments, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, ouais. Et un tout petit peu de légumes, et ce sera bien comme ça. Ok. On est parti ? Go ! Cool. On va lancer ici en cuisson. Le carlet, et avec le carlet, on a... C'est Guy Carlet. Tu sais, ça s'appelle Guy, ce carlet. Ouais, tu l'as. Et les deux ont les yeux dans les coins. Ouais. On peut le dire, ça ? Je sais pas. Tu l'as dit, en tout cas.
Ok. Et ici, on a du gras de bœuf maturé. Ok. Gras de bœuf prisé des flancs, notamment pour faire des frites. Aussi. Notamment. Aussi. Nous, on en fait des frites, des bonbons, des sucettes. On trempe la tétine dedans, tu sais, pour calmer les enfants. Bien sûr. Quand ils font leurs dents. C'est une panacée, c'est un produit réconfortant, magique. Ok, donc tu attaques le carrelé au blanc de bœuf. Oui, parce qu'on va le cuire sur l'os, donc ça va prendre un petit peu de temps. Ouais, c'est assez dense hein, comme chair le carrelé. Hein. Oui, c'est une chair bien tendue comme ça. C'est l'un de mes poissons préférés, sinon mon poisson préféré. En même temps, ça tombe bien, on a beaucoup de poissons, mais c'est celui-ci. C'est pas un peu le turbo du peuple, un peu ça ? Si, mais en même temps, je trouve que ça a beaucoup plus de caractère que le turbo et c'est cool. Mm. C'est un super produit. Ok, côté... Ah oui, non, d'accord, pas côté peau. D'abord sur l'os. C'est bon, t'as combien ça ? À la cool, côté peau. Ok, tranquille, relax. On va normalement faire 5 recettes. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord. Donc il y a du boulot un peu quand même. Tranquille. On travaille ensemble depuis 20 ans, ça va. Vous avez une relation presque télépathique. Oui, et pour la petite histoire, parce que je sais que c'est important de pouvoir raconter une histoire et de pouvoir comprendre l'envers du décor. Clément et moi avons passé tous nos week-ends quand on était petits sur la côte d'Opale. Donc le carrelé, les coquillages, les langoustines, ça, pied, les trucs, c'est ça. C'est ce qu'on faisait. Et ma mamie nous cuisinait ça tout le temps. La dernière fois qu'on a été sur scène ensemble, c'était avec notre mamie à Paris, à la Mutualité. D'accord. C'était beau. Ah ouais, j'imagine. Et elle avait fait des produits de la mer aussi, parce que c'est sa grande spécialité. Génial. Ça commence à fleurer bon, là. 4. Je vais juste couvrir un petit peu. Ok. Tu m'arrêtes si je fais une connerie, couvert, chef. À peine couvert, ok. Clément, tu mandolines ? Tu sors ta mandoline ? Ouais, je sors ma mandoline. Gratte sur ta mandoline, mon petit bambino. Yes, alors, le chourave. Chourave. On va le mariner avec notre bière qu'on brasse. D'accord. Notre brasseur brasse pour nous. Ouais. Qui est une bière blanche à la framboise. Ouais. Bière blanche à la framboise. Donc ça va être un comptoir de la mer, un peu inox, un peu brut, comme ça, un peu poissonnerie, on mange. C'est ça, l'idée avec, en fait. Avec des plats, tu vas faire. Est-ce que tu vas faire un truc merveilleux des flandres qui sont les croquettes de crevettes quand même ? On va en faire, oui. Alors, ah ouais, Dieu merci. Ouais. Là, ça a été un peu compliqué de trouver des crevettes grises. Mais tu les feras. Oui, on en fera, quand on en aura, en fait. Ouais. Je pense que déjà, notre cuisine avec le 100% local demande beaucoup d'adaptabilité. Mmh. Quand on se dirige vers une cuisine plus marine, ça va être encore plus vrai et encore plus poussé. Parce qu'au-delà de travailler en direct avec des producteurs, on va travailler avec des pêcheurs. Et les pêcheurs, les gars, c'est quand même des guerriers, c'est un métier à part entière. Nous, on voit les pêcheurs, je pense que dans l'inconscient collectif, c'est un petit peu ça. Des gars qui prennent leur bateau, qui jettent le filet, et puis peut-être ils vont remonter des poissons. Mais en fait, les pêcheurs, il faut vraiment les voir comme des chasseurs. Ils savent où ils vont, pourquoi ils y vont. Les conditions dans lesquelles ils y vont, c'est quelque chose d'incroyable. Ils savent repérer les bancs de poissons, les suivre. C'est ça. Ouais. Donc, c'est des chasseurs. Donc, ça bouge un petit peu. Comme forcément, donc, ma notion de terroir va bouger un petit peu, il faut se rendre compte qu'en fait, quand on a Dunkerque, on est à 45 km des Anglais. C'est, je pense, le seul point faible de Dunkerque. Mais je suis très ouvert, mais pour les Anglais, je ne vais même pas déconner. Quoi. Et en fait, cette notion de terroir, quand on fait 45 km dans les terres, c'est énorme. Sur la mer, d'un coup, ça devient beaucoup plus relatif. Oui, les échelles sont complètement revues, en fait. La mer est une immensité, quoi. C'est ça. Ouais. Donc, on peut travailler des poissons de notre terroir qui viendront peut-être d'eau territoriale anglaise. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Mais les poissons ne parlent ni français ni anglais, donc tout va bien. Non, oui. Tu vois, ils n'ont pas de carte d'identité et tout. À notre connaissance, en tout cas. Oui, à notre connaissance.
La Clem a versé une de nos bières. Ouais. Donc c'est la blanche à la framboise. Génial. Sur un carpaccio de chou rave. L'idée, c'est de le travailler un petit peu comme un ceviche. Vous avez dû voir ces garçons aussi vendre leur bière. On fait de la bière aussi. Ouais. Sur le stand de bière. Bierbeuk. Ils ont animé ce festival pendant 3 jours. Et on les remercie pour ça aussi. De venir nous hydrater, nous ambiancer un peu tout ça, quoi. Je vais mettre un petit peu de piment. Ouais. Hop, on va attendre un petit peu. Non, ce sera sur le carrelé. On a un petit peu de capre d'ail des ours également. Ici, c'est du kimchi con. Je sais que tu es un grand fan de jeux de mots. Ouais. Donc, kimchi con. Kimchi de chicon et de... Ah, kimchi con, le kimchi de chicon, d'accord, je l'ai, ouais, ok, d'accord. Deux fois, j'ai dû le dire. Non, c'est cool, c'est bien, j'aime bien, ouais, bien sûr. Moi, j'aime bien le kimchi Kardashian, je sais pas si tu connais. Ouais, ouais, c'est... Okay. Bon, bah vas-y. Kimchi con. Endive et chou de Bruxelles. On a pas mal... Alors, tous ces petits condiments nous viennent de Bruxelles, parce que j'ai fait un service avant de venir ici, et de sauter dans notre feu food truck. J'étais en service à Clock à Bruxelles et ce sont toutes les préparations de la cuisine qu'on a là-bas. Donc le gras de bœuf maturé vient de là-bas, ça c'est une sauce XO qui a été faite avec du corail de Saint-Jacques. Donc une sauce chinoise de poisson fermenté en version corail de Saint-Jacques. Kimchi, endive, chou de Bruxelles, les capres d'ail des ours. On a ici des petites tomates cerises qui ont été fumées. Donc mondé d'abord, fumé, déshydraté et passé dans un jus de tomates fermentées avec du miel. Oh. Et on les bloque comme ça, on n'en parle plus. Ici, c'est un umeboshi, donc une fermentation qui est habituellement et traditionnellement faite avec de la prune avec de la fraise. Ouais. Ça, c'est un chong. Chong, c'est... Qu'est-ce que c'est, chong? C'est coréen, c'est la base du shrub. Le shrub, c'est créole. L'idée, c'est de prendre des fruits ou des légumes, de les mettre au sucre et de les laisser fermenter. D'accord. Et cette base-là sert à faire les rhums arrangés. Ça, c'est un chong qu'on a fait avec de l'asperge blanche et de la fleur de sureau. Wow. Donc, c'est une fermentation de fleurs de sureau, d'asperge. Ici, on a du concombre, jus de concombre fermenté. Et on va composer avec ça maintenant et assez rapidement. Donc voilà tous tes thèmes. Et maintenant, tu vas les assembler. C'est ça. Les faire varier. Dans la même poêle. Des petites coques magnifiques. On va balancer quelques coques, juste le temps qu'elles s'ouvrent. Dans la même poêle, ça te paraît une connerie ou pas, derrière? Ok. Allez, ça part sur la coque. Beau morceau de beurre. Là, on passe une quantité de beurre, c'est indécent. Quoi. C'est indécent, ouais, c'est vrai. Bah ouais, je comprends, ça donne c'est du bien, goût. Hein. C'est bon. Cuisine au beurre, c'est la meilleure. Tu fais monter ça, tu vas à peine les ouvrir, j'imagine. On va juste les ouvrir et puis on va les travailler un petit peu comme un ceviche. Le carrelé, on l'a travaillé de plusieurs façons. Ça, c'est celui qui t'a passé au sel. On l'a juste passé au sel, un peu comme un gravlax. Donc en fait, on va le travailler de trois façons. Vous avez le côté très poisson mamie de la mer. Ouais. Mamie la mer, c'est notre grand-mère qui était venue sur scène avec nous. Voilà. Donc très poisson grillé. C'est nos enfants, donc ses arrière-petits-enfants qui l'appellent mamie la mer parce qu'elle fait des poissons extraordinaires. Donc du beurre. Parfois un petit peu de farine, mais pas trop parce que c'est pas conseillé pour la santé, je pense. Bien sûr. Mais énormément de beurre. On dit qu'énormément de beurre, c'est excellent pour les cheveux, c'est connu. C'est ça. Ouais. Ici, du carrelé qu'on a juste, Du carrelé. On a juste passé au sel depuis tout à l'heure. Ce qu'il est arrivé, le poisson est arrivé à midi. Ouais. Et on va le travailler aussi juste poché après le carrelé. Ah bon. On ouvre les coques. On fait le ceviche avec les coques, c'est ça? Ah non, marinière. On va faire comme une marinière, mais plutôt que d'utiliser du vin blanc, parce qu'on a du vin blanc, mais il est beaucoup trop cher pour l'utiliser pour la cuisine dans les Flandres, on va faire une marinière à la bière. Allez. Et cette bière, c'est un Berliner Weiss, donc c'est un style allemand. Mmh. C'est une bière blanche qui est d'abord lacto-fermentée. On prend les grains, le malt,
de blé. Donc c'est quelque chose de fermier, de rustique, ouais. qui va donner un côté un peu citronné. D'acidulé aussi. Non, c'est acidulé parce que en fait on fait une lactofermentation ouais, pendant ça, 24 ouais. heures. Mm. On met de l'eau à 30 degrés sur le grain et la lactofermentation commence. Super. Donc je vais en prendre beaucoup plus que ça en fait. Hein. Ouais. Si c'est la marinière. Prends plus de coke. Ouais, ouais, des belles poignées là. Moi ouais, je vais tout lancer. Tu vas faire goûter au public ou pas? Oui, si on a de quoi faire goûter au public. Je sais pas, on va voir peut-être. Hein. Non, je dis ça parce que le public salive déjà. Et ils m'en veulent beaucoup, ils trouvent que je suis le seul à bouffer dans ce festival. Alors... Et ça, c'est clairement les odeurs de... ouais, ça, qu'on c'est... avait quand on était petit. Ouais. Ça, c'est un moment glorieux, quoi. Ça, c'est, ça, hein, c'est quand bon. Les coques commencent à s'ouvrir dans une poêle, c'est un moment de... c'est un moment d'extase culinaire. Regarde, ah, comme c'est beau. Ça, c'est magnifique. Ouais, c'est sexy ça. Ça c'est hyper cool. Beau. Merde, regarde comme c'est okay. beau. Ok. Moment grandiose. Et on y va à la cool parce qu'en fait, on veut aussi faire après un petit bouillon de coquillage. Mmh. Mais dès que ça s'ouvre. Ouais, parfait. Ok, on ouvre les coques. Continue à tailler le poisson. On n'a jamais goûté ça. Hein. Et voir, ça, je peux. Ouais. C'est bon. C'est bon. Hein. C'est un peu salé. Fumé, mais assez délicat, moins salé. Hein. Qui garde comme ça ses notes un peu lactées, c'est hyper bon. Waouh, les coques sont magnifiques. Hein. Ouais. Ouais, cool. C'est un kiff aussi de travailler les produits de la mer, non? C'est il y a un plaisir fait, particulier à cuire des coquillages. Hein, on l'a, ah oui. Et du poisson, et lever des poissons. Et un plaisir un peu immédiat dans cette et chez pratique. Crevettes, on va cuisiner devant les clients sur un comptoir, tout okay. en inox, ça je l'ai dit. D'accord. Mais on aura un grill barbecue à la japonaise, tu vois, ouais, devant le. Ouais. On pourra griller des morceaux de poisson. Ouais. Du poisson maturé. Ouais. De la charcuterie de poisson, des coquillages. Des choses crues, des choses cuites. C'est un domaine que tu n'avais jamais expérimenté autant. On a cuire du poisson, non, évidemment. En fait, on a toujours fait du poisson fait, ouais. chez nous, mais... Jamais systématisé le truc quoi, dans un restaurant. Non. Et là, le côté... on se cantonne à la mer. Ouais. C'est quelque chose de... Ah, ouais, c'est une belle contrainte. Ouais. Que donne. Ouais, 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 surtout ouais. en ce moment, parce qu'il faut vraiment mettre l'accent là-dessus. Les gens, oui, parce que tu disais... les gens de mer. Ouais. C'est encore plus incertain, j'imagine, d'attendre une commande de poisson que de produits de la terre. C'est très compliqué hein, c'est pour eux. C'est encore plus c'est encore plus fragile, quoi. Oui. On va décoquiller un petit peu quelques coques. Ouais. On est bon niveau timing, copain? On est super. Il nous reste 15 minutes. Ah ouais. Donc, comme on a dit, on va faire deux recettes. Ouais. Et la bière, je vais vraiment la faire frémir, juste monter en température, mais pas, mm-hmm. pas trop. Pas plus. Sinon, on va aller chercher les amers, l'astringence. Ça va pas être rigolo. Mm. Tu vas repasser tes coques dans la poêle, c'est ça? Oui, enfin non, là je les mets dans la poêle la parce que j'ai une poêle devant moi. Ouais, mais ouais, en fait, ouais. on a ce jus, on a le bouillon un peu comme ça et on va le... Ouais, bien sûr. Ce jus glorieux là. Ouais. De l'autre, du dégorgement des... Et on met à la cool des coques. Ouais. Le pavé de carrelé. Et ah je vais ouais. même couper. Ah, juste le pocher vite fait, c'est ça? Oui. Saisis à peine, quoi. C'est un waterzooi. Waterzooi en flamand, ça veut dire l'eau qui bout. Mm. Un bouillon. Donc on fait un waterzooi de carrelé au jus de coquillage et wow. à la bière. Super. Il était à température ambiante, donc... on ne va pas forcément insister beaucoup trop. Ok. On servait ça avec quoi?
Ok, oui, donc on a quelques bigorneaux sur le Gravelax. Alors c'est un peu difficile de vous dire c'est ce qu'on va faire chez Crevette, parce que on est en train de faire les travaux. Mais oui, dans une ligne directrice. Si on était chez Crevette maintenant, Clément et moi ferions ça. Et l'ouverture est prévue pour quand? Pour novembre. Novembre, ça y est. Donc là, on va faire la semaine prochaine. Enfin, non, pas la semaine prochaine. Ce week-end, c'est la braderie de Lille. Après, entre deux, vu qu'on a beaucoup de temps à tuer, on va faire quelques travaux, on va aller casser des murs, des choses comme ça, parce qu'on fait tout ça nous-mêmes. D'ailleurs, pendant la braderie de Lille, chez Crevette, on va ouvrir juste en bar, parce que c'est aussi notre réalité, notre quotidien, et je pense qu'il faut le dire. On a pas d'investisseurs. On fait ça tout nous-mêmes, avec l'argent qu'on n'a pas. Et c'est vrai, c'est la comme vérité. Comme des vrais restaurateurs. Et on va ouvrir cet endroit et on va se payer notre hôte de cuisine avec qui sera au comptoir avec l'argent qu'on aura fait pendant la braderie, si tout se passe bien. Et on n'a pas encore de plan B. On peut applaudir ça quand même, c'est beau. Voilà. Et c'est vraiment c'est comme aussi ça la vie de restaurateur. Hein. C'est aussi ça la réalité de... Ah oui, mais c'est notre la réalité, ouais. Parce qu'on a choisi de le faire comme ça, quoi. Ouais. Hop, hop, hop. Bon, Clément, on avance. T'es sur quoi, toi, là? Petite tomate cerise. Tomate cerise. Ouais. On va récupérer quelques coques. Ouais. On va faire comme un petit ceviche. Voilà. Hop. Ton délicatesse aussi, hein. Voilà. Produit brut, mais travaillé avec finesse. Wow. Là, c'est la sauce XO de Clock. Ouais, super, magnifique. Et l'idée, c'est de montrer que notre terroir... Enfin, je ne sais pas si vous connaissez la côte d'Opale, les côtes du Nord, les plages du Nord. Vous les connaissez ? Là, ils disent oui, oui, on lève les bras. Parce on les adore. Parce que c'est magnifique, parce que c'est resté sauvage. Ouais. Et que c'est canon, quoi. C'est magnifique, hein. Tu vas, en voilà. fait, si... Du tout quand on était petit, notre grand-mère et puis les mamans là-bas disent on va aller sur la côte, comme ça tu vas prendre des couleurs. Mais chez nous, quand tu vas prendre des couleurs, c'est pas que tu vas bronzer en fait, c'est que tu marches sur la plage et qu'il y a un côté, c'est super cool. L'autre, non, ça dépend de comment tu commences, mais l'autre, il est violent, quoi. T'as le sable, t'as le sel, t'as le vent. Donc en fait, tu prends des couleurs, mais tu reviens, t'es rouge comme un coq. T'es pas bronzé, t'es juste. T'es rouge buriné par les éléments, quoi. Ouais. Et nous, on était cons quand on était petits, parce que quoi qu'il en soit, quelle que soit la température, on allait se baigner. Ouais. Et il y avait notre mamie qui prenait toujours un litre d'eau de Cologne. On sortait, on était tout nus comme ça, elle prenait l'eau de Cologne et elle nous frictionnait. Ouais. Et on mettait les habits et c'était reparti. Et après, on allait manger une crêpe, boire un coup. Trop bien. Et vous alliez où avec votre mamie, sur quelle plage? C'était à Sainte-Cécile. Sainte-Cécile, c'est au nord du Touquet. Ok. Voilà. D'accord. C'est canon. C'est même pas une ville. Je crois que c'est juste une plage. C'est vraiment. Là-bas, les plages sont kilométriques, avec des couchers de soleil délirants aussi. C'est magique là-bas. Je pense à la plage de Merlimont notamment, qui est super. Oui. C'est magique, magique. Ok, super. Alors ça, c'est les petites tomates fumées, je crois. Oui. Donc, on a de la tomate cerise crue. On a les coques juste ouvertes. Ça, c'est des petits bonbons, ça. Ouais. Ça a l'air, je vais voir. Ça, c'est... Je vais vous en laisser, il faut que vous goûtiez ça. Ah, c'est marrant parce que le fumé, ça apporte... il y a un côté ketchup. Ouais, c'est vrai. Un de ketchup, hein. C'est vrai. C'est cool, hein. C'est cool. Je sens que t'es content de travailler les produits de la mer. Je suis content de travailler ça tous longtemps, les produits de chez moi. Ça fait longtemps que t'avais cette idée en tête ? Oui, bah oui. Ouais, ça fait un moment que ça te trotte, hein. Le problème, c'est pas les idées, tu sais. Ouais, je sais. C'est le temps. Et les opportunités, en fait, si ça vient, c'est bien, si ça vient pas, c'est pas grave. Ça viendra plus tard, ça viendra quand ça peut venir. Oui, dans une autre vie. Ouais. Ok. On a réservé le carrelet. Waouh. On reste sur... Ça, c'est un petit tip, ça la con, mais... Ouais. Quand tu as un doute sur le food pairing, tiens-t'en aux couleurs. Ben oui, il paraît que ça marche, hein. Ouais. Les couleurs similaires vont bien ensemble. Et juste pour toi, je vais y mettre aussi un petit peu de piment cru là-dessus. Un petit clin d'œil à tes racines aussi.
Ouais, super. Parce qu'on parle que de nous, on parle jamais de toi. C'est vrai, t'as raison, mes racines piquantes, c'est parce que moi, évidemment, je... La dernière fois qu'on a discuté ensemble, on parlait de football. C'est vrai. Et du Real Madrid. Absolument, parce qu'il y a un très gros... Parce que ce monsieur est supporter du LOSC, de Lille. Et il y a un très gros Lille-Real Madrid très bientôt. Hein. C'est ça. Je sais pas si vous avez vu. Et de la branlée que vous alliez prendre à Lille. Et vous aussi, vous avez un Mbappé en plus. Hein. Vous aussi, vous avez un Mbappé, non? Oui. Il y a le petit frère Mbappé chez vous. Eh oui. Eh ouais. D'accord, ça c'était avec. C'est beau, hein? Il faut que je parle très rapidement aussi de ça. Ouais. C'est de la faïence de Dèvres. La céramiste est là. Où est la céramiste? On peut l'applaudir. Tu veux monter sur scène? Monte sur scène une minute. Bah alors, nous parler de ta céramique. Je te tends un micro. Comment tu t'appelles? Bonjour. Bonjour, je m'appelle Marion, c'est ça? On l'a fait en mode... Ton papa et ta maman sont dans le public. Oui, qu'est-ce que tu vas nous chanter? Eh bien, je vais vous chanter une très belle chanson sur la faïence. Ah, allons-y. Voilà, non, j'ai juste relancé un savoir-faire qui était en train de mourir à Dèvres, dans le Pas-de-Calais. Donc, effectivement, à côté de Boulogne-sur-Mer. Et c'est un savoir-faire qui est en train de se perdre, puisque les manufactures ont fermé il y a 15 ans. Et moi, j'ai redémarré ça parce que j'avais envie de recréer des emplois sur place, de faire vivre ce savoir-faire qui est magnifique avec des artistes incroyables. Donc, on a redémarré de zéro. Et aujourd'hui, on fabrique de la vaisselle et des carreaux de faïence pour les particuliers, pour les professionnels de la restauration. Voilà. Bah, bravo. Ça s'appelle Des Rêves Faïencerie. Noté. Redis, comment ça s'appelle? Des Rêves. Des Rêves. Merci. Ben, merci beaucoup. Merci à toi et bravo pour faire vivre cet artisanat. Donc, ouais. Du butt, ouais. Des coques, du haddock. Que des trucs en hoc, c'est ça? Exactement. Et... Non. Après, ce sera juste un bouillon. D'accord. Il nous reste 5 minutes. 5 minutes exactement, bravo. Ah, c'est un métier. J'imagine le titre de la chronique sur le site omnivore de ton restaurant de poisson sera « Les dents de l'Aden ». Ça marche ou pas? Ah, en plus, c'est un truc... Bah, je l'écrirai alors. Ouais, non, mais voilà. J'ai jamais voulu mettre d'appareil dentaire. C'est pour ça. Moi non plus, hein, t'as remarqué. C'est bien que tu l'évoques comme ça. Non, mais moi non plus. En toute intimité. On a voulu, hein, on a voulu m'en imposer, hein, mais... Pas le temps. T'en parles comme ça. Pas le temps. Waouh. Beauté, hein. Hop. Nous sommes pauvres en herbe parce qu'on est parti samedi et que elle n'aurait pas été si jolie que ça et c'est pas très grave. Oui, que Florent Laden, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un rapport très frontal aux produits de sa région. Mais il y a aussi une subtilité dans le travail, dans le dressage. On essaie de faire quelque chose d'aussi... Bah déjà, quelque chose qui nous plaît, quelque chose qu'on aimerait manger. Quelque chose qui fait écho aussi à ta région. Oui, à notre histoire. Là, c'est clairement... celui-ci, là, c'est clairement Mamie Odile. Sauf qu'on n'a pas mis d'ananas ou de vanille. Tu mets aucune fleur, toi, là? Bah écoute, on n'en a pas là, donc je vais pas en mettre pour D'accord. en mettre. D'accord, ok, très bien. J'aurais pu en trouver, hein, mais... Ouais. Non, une idée comme ça. On va peut-être mettre un petit peu de... Oh, ouais, il y a du beurre, ça. Mais... Ah ouais. Qu'est-ce que tu mets? Un petit peu de gras de bœuf maturé. Ok. Ah ouais, pour épaissir un peu le petit bouillon là. Il n'y avait pas assez de beurre. C'est beau. T'as le tronçon, Loulou? Super. Ah, cool. Ouais. Et le Guy Carlet, alors, comment on va le préparer? Bah écoute, là, il a tiré un petit peu, je remets un petit coup de chaud. On va balancer un peu de piment, du capre d'ail des ours. Là, on était sur le gras de bœuf. Oh, waouh!
Ah oui. Donc gras de bœuf maturé. Lustré au gras de bœuf, nourri au bœuf. Ça, c'est un terroir assez coquin. Hein. Mais notre terroir est comme ça. Hein. Ouais. C'est vrai. Les capres d'ail des ours. Tu les fais un peu revenir, ouais. Oui, le piment. Et je vais couper ouais. Maintenant, c'est bien. L'idée, encore une fois, c'est pas de réinventer la cuisine. C'est pas de se placer au-dessus du lot. C'est de mettre en avant le travail des gens de mer. Mmh. Des mecs qui en chient, qui vont par presque tous les temps affronter les conditions pour nous ramener du poisson. Et ça se respecte. Et c'est juste ce qu'on veut faire. Disparaître un petit peu. S'effacer un peu. Mmh. Pour montrer ce que les gars vont nous chasser. Je regardais quand même parce qu'on avait pris 2-3 notes tout à l'heure. C'est important. Ouais, j'ai vu que t'avais oublié l'aubergine, Clément. Ok, c'est bien. Eh, c'est beau là. Hein. Et le kimchi con, c'était sur quoi? Clément, ce plat-là est fini? Non, j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que tu vas y ajouter quelque chose, non? Ouais. Carpaccio chourave bigorno. Chourave bigorno. Et on est à 5 recettes, donc c'est bon, on est bon. On n'est pas loin. Charcuterie de butte, donc vinaigrette bigorno. Ok, les coques. Mmh. Ah. C'est là-dessus que je voulais mettre un petit peu de cheong. Ok. Ah oui, le fameux. Ce sont des recettes qu'on n'a jamais faites. Hein, donc, le fameux shrub d'asperge, c'est ça? Ouais. Goûte ça. C'est bon. Asperge churro. Ah ouais. Ah oui, c'est sucré. Ouais. Une belle sucrosité. Ouais. Un peu comme un shrub. Ouais. On ira doucir. Pour la brillance aussi. Waouh. C'est beau, hein. Ça prend bien la lumière aussi, hein, tout ça. Hein. Ouais. Et ouais. Du beurre. Plus de beurre que de mal. Là, regarde, on va tout rapprocher pour comme ça la caméra pourra tout capter. Je pense que ça représente un peu ce qu'on s'est dit de crevette pour l'instant. Eh bien, elle est bien belle, votre crevette. Merci. En tout cas, on l'a déjà entendu, tu sais, celle-là. Ah, tu l'as déjà entendu, tiens. Ouais, un titre. Mais quoi qu'il arrive, on est content d'apprendre l'ouverture de ce nouveau restaurant ici. On est content de te savoir lancer dans un nouveau projet qui te tient à cœur, qui manifestement vous enthousiasme. C'est hyper beau, on viendra manger, évidemment. Canon. Et merci. On vous applaudit hyper fort. On peut vraiment leur faire une ovation. Florent, Clément, merci infiniment. Merci, man. Merci, les gars. Merci. Et on se retrouve pour la dernière scène de cette édition 2024 d'Omnivore dans quelques minutes avec Jean-François Piège. À tout de suite, merci. On les applaudit très fort.